Sacré Burger, ça a commencé en 2014 avec un food truck. Victor et Constant ont monté un food truck, je pense le premier sur Reims. Et deux ans après, du coup, ils ont abandonné les roues et on a fini ici au 24 rue de Tambour. Ensuite, après toute cette aventure Sacré Burger, en 2018, il y a Sacré Bistrot qui a ouvert à Épernay. Donc là, toujours une petite trame burger, mais plus bistrot, et toujours avec la volonté d'avoir une grosse carte des vins et champagne, beaucoup champagne aussi, pour promouvoir la champagne, parce qu'on est quand même les premiers ambassadeurs normalement de la champagne. Donc c'est un peu ce qui nous motive depuis le début, c'est petit à petit avoir de plus en plus de vignerons pointus, des gens qui travaillent proprement, qui essayent de faire des belles choses et de faire un peu bouger la champagne. Donc c'est cool. Je suis plutôt content de ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits puisqu'on est passé un peu le cap local avec quand même pas mal de gens à l'étranger, même en France, qui nous suivent et qui trouvent génial. Donc on est content de où on en est aujourd'hui, déjà sur les deux restos, plus 2020, fin 2020, une petite nouvelle qui est arrivée. La famille s'agrandit, mais vous verrez bientôt.